technicienne et diplômée d'État. Voilà, j'ai décidé de faire un petit direct. Sinon, moi-même, je ne me porte pas trop bien. Je suis très fatiguée. J'ai décidé de faire un petit direct pour essayer d'éclaircir quelques petits trucs par rapport à Grand P. Grand P, c'est mon chouchou, c'est mon amour. Personne ne peut rentrer entre lui et moi. Donc, pour être clair, je suis célèbre depuis... j'étais connue en 2014. Excusez-moi, les gens, j'aurais pas dû faire ça si ce numéro là. Quelqu'un essaie de me joindre. Oh, merde. Mon autre téléphone aussi, où je fais souvent les directs là, est déchargé. Donc, excusez-moi, je vais parler. J'espère qu'on ne va pas m'appeler encore. Donc, moi, j'étais truc dans quel pays même d'abord. Quand Grand-Père est venu à Abidjan avec son manager, et puis il a dit qu'il voulait, il aimait bien Doxia, ok, Doxia était sa femme. Après cela, on s'est rencontrés, c'est parti le soutenir pour son concert. C'est comme ça que quelque chose est né entre moi et Grand-Père. Donc, peu importe ce que les gens m'ont dit, je n'ai jamais profité de Grand-Père parce que moi, j'étais déjà célèbre depuis de nombreuses années. Et moi et Grand-Père, nous sommes toujours en de bons termes. Donc, je ne comprends pas pourquoi une personne qui se dit responsable va venir dire des choses vraiment qui ne sont pas dignes. Moi, je ne fais jamais de médicaments. Moi, je crois en Dieu. Tout ce que je gagne aujourd'hui, ce n'est pas plus grâce. C'est Dieu. Donc, ne me mettez pas dans les histoires de non. Il doit se partir faire un médicament au Bénin. Elle est partie amener Grand-Père. Ce sont des choses que je ne supporte pas. Cette personne qui a fait cette vidéo, je ne sais pas quelles sont ses intentions. Mais je n'ai vraiment pas apprécié. Ça ne se fait pas de dénigrer quelqu'un jusqu'à ce point. Moi, je vais au Bénin très souvent et je suis fière d'aller au Bénin. Bénin n'est pas synonyme de maraboutage ou bien de zamoutage. Moi, je n'ai jamais vu ça. Quand je suis au Bénin, j'ai l'impression même que je suis en Côte d'Ivoire. Vos trucs de zamout, tout ça, moi, je n'ai jamais vu ça au Bénin. La personne qui va au Bénin pour zamoutage, là, c'est son problème. Mais moi, quand je vais au Bénin, c'est purement pour le travail parce que j'ai beaucoup de fans au Bénin. Donc, personne ne m'associe à quoi que ce soit. Tout ce que j'ai là vient de Dieu. C'est Dieu qui touche le cœur des âmes sensibles. Moi m'aider. Donc je ne peux pas permettre que quelqu'un va se lever, je ne sais où, venir dire que moi, il y a zamouté grand pays. Il y a fait mes traumas, mais c'est pourquoi. Moi, mon basse là, c'est Dieu et puis c'est mon physique. C'est mon physique qui m'a fait connaître. Hein. C'est pas clash. Ce n'est pas, c'est pas quoi que ce soit. C'est pas en insultant quelqu'un, n'est-ce pas en parlant de quelqu'un. C'est mon physique qui m'a fait connaître. Donc, je ne peux pas comprendre que quelqu'un va se lever pour dire que non, que comme Grand-Père ne mousse plus, moi je l'ai laissé. Moi et Grand-Père, on est toujours en contact. Grand-Père, en ce moment-là, il y a beaucoup de soucis, mais moi, je ne sais pas vraiment ce qui se passe. J'ai demandé à son manager. Son manager m'a dit que non, qu'il n'y avait rien. Je lui ai demandé, mais pourquoi il ne postait plus rien de Grand-Père sur la page de Grand-Père. Il m'a dit qu'il va publier, que c'est un moment qu'il va publier. Mais j'entends partout que les parents de Grand-Père ont arraché Grand-Père des mains de son manager. Pourtant, c'est son manager qui a créé sa page. Donc, du simple fait qu'ils ont arraché Grand-Père, le manager de Grand-Père s'est désengagé carrément de Grand-Père. Il a dit que il n'est plus le manager de Grand-Père. Ce que vous devez faire, allez voir les parents de Grand-Père pour leur dire de laisser la vie de Grand-Père. Parce que dans la vie, là, c'est l'homme qui fait l'homme. Si Grand-Père aujourd'hui, on n'entend pas parler de lui ces jours-ci, c'est parce qu'ils ont enlevé Grand-Père des mains de son manager. Mais je ne sais pas concrètement ce qui se passe. Donc, ne venez pas me mettre la faute. Ne venez pas me mettre la faute pour me crier des ennemis. Pourquoi vous faites ça? J'aime bien les Guinéens. J'ai été très bien reçu en Guinée. J'ai beaucoup de fans en Guinée. Mais quand un Guinéen se lève pour dire que moi, comme Grand-Père ne mousse plus, Grand-Père mousse. C'est parce que ses parents l'ont enlevé des mains de son manager. Pourtant, c'est son manager qui gère sa page. Maintenant, ceux qui l'ont pris, les membres de sa famille, c'est à eux maintenant de créer une nouvelle page. Donc, moi, j'ai quoi à voir dans ça. Sinon, moi, j'ai de très bons rapports avec Grand-Père. On n'a jamais fait des histoires. Je l'ai toujours dit, Grand-Père est mon amour.
Mais si on n'a plus de projet de mariage, c'est parce que il était tout le temps en train de s'afficher avec des femmes. Beaucoup de gens ont vu ici. Beaucoup de gens disent, mais comment tu peux mettre la honte de Doxy? Donc c'est quelqu'un que j'aime, que j'aimerais toujours. J'ai beaucoup de compassion pour lui. Donc je ne permets pas qu'un Guinéen va se lever pour venir dire que non, que comme grand-père ne mousse plus, moi je l'ai laissé. Il n'en est rien. Il n'en est rien. Je le porte toujours dans mon cœur. Et si actuellement il ne mousse pas, c'est parce qu'on a enlevé grand-père des mains de son manager. Ils l'ont enlevé des mains de son manager. Moi, je n'ai rien à voir dedans. Donc, de grâce, déposez-moi en Côte d'Ivoire. Mais Love Guinéen, je vous aime bien, mais déposez-moi en Côte d'Ivoire. Oui, je t'ai dit, ils sont en train de signaler tout que ma vidéo. Un imbécile va venir faire une vidéo pour raconter du n'importe quoi sur moi, pour m'écrire des... je ne sais pas si ça pouvait mettre en palabre avec les Guinéens ou quoi. Ça ne se fait pas de dire des choses comme ça. Son but là même, c'est quoi? C'est quoi? Pour que les Guinéens soient fâchés contre moi. Il dit que depuis que grand-père ne mousse plus, moi j'ai laissé grand-père. Je n'ai jamais laissé grand-père. Je suis désolée. Mais actuellement, grand-père a des soucis parce que sa famille l'a récupéré. Moi, j'ai demandé à son manager. Il a dit qu'il n'en est rien, que tout ça va rentrer dans l'ordre. Donc, on attend que la situation se règle entre grand-père, entre la famille de grand-père et son manager. C'est vous, les Guinéens, qui devez aller voir le manager de grand-père, la famille de grand-père, pour trouver une entente pour que Alpha reprenne grand-père. Maintenant, pourquoi vous mettez ça sur moi? Franchement, je n'ai pas apprécié. Mais l'offre de la Guinée, il n'en est rien. Grand-père, toujours mon bébé, je l'aime toujours. Mais s'il n'y a aucune publication venant de lui, vous savez que quand tu es célèbre, il faut entretenir ta célébrité. Il faut être toujours d'actualité. Il faut poser de temps en temps des photos. Mais en ce moment, un grand-père, son manager, il y a un problème. Donc, c'est pour ça que rien n'est publié sur sa page. Les Guinéens t'aiment, t'inquiète. Oui, je sais que les Guinéens, mais maintenant un Guinéen va se lever pour dire que grand-père ne mousse plus, que moi je l'ai laissé, que moi j'ai profité de grand-père. Pourtant aussi, grâce à moi, plein d'Ivoiriens qui ne connaissaient pas grand-père l'ont connu. Moi, je buzz depuis combien d'années? Je buzz depuis combien d'années? Que moi j'ai profité du buzz de grand-père, que maintenant que ça ne va pas, moi je le jette. Est-ce que ce sont des choses qu'on doit dire? Il ne faut pas dire de méchanceté comme ça. Et on m'a identifié dans... Aujourd'hui que moi j'ai vu la vidéo, c'est pour ça que j'ai voulu faire une vidéo rapide pour vous éclaircir. Il n'en est rien, moi j'ai jamais profité de grand-père. Moi je baisse toujours. Maman n'a baisse, je baisse toujours. Depuis combien d'années? C'est Dieu qui fait cela. Je n'ai jamais eu recours à un truc de marabout. Moi toute ma vie là, c'est la prière. Mon seul péché là, c'est de m'exposer, de montrer mes formes là. C'est ça là mon seul péché. Pour moi, mais je reconnais. Donc ne me mettez pas dans les choses. J'aime beaucoup le Bénin, mais je ne peux jamais aller faire de maraboutage tout ça. Parce que quand je suis au Bénin, j'ai l'impression que je suis en Côte d'Ivoire. Donc arrêtez de raconter des bêtises. Et puis même si moi je fais un médicament, vous votre problème est où? Et où? N'importe quoi. Je n'ai vraiment pas apprécié cette vidéo. Si vous ne voyez pas grand-père en ce moment, c'est parce qu'il y a des problèmes entre lui et son manager. Sa famille a pris grand-père. Je ne sais pas pourquoi ils ont pris grand-père. Je ne sais pas pourquoi ils ont enlevé grand-père des mains de son manager. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Même quand grand-père était toujours avec Alpha, on était tout le temps en contact. Quand j'appelle Alpha, il me passe grand-père. Ou bien quand Alpha m'appelle, il me passe grand-père. Mais dernièrement, on s'est parlé. J'ai demandé à Paul grand-père. Il a dit que tout va bien. J'ai compris qu'il ne voulait pas rentrer dedans. Il a dit non, que tout va rentrer dans l'ordre. Et c'est notre prière. Ce que vous devez faire, les Guinéens, vous devez vous lever, aller voir la famille de grand-père pour que tout soit réglé. Donc ne venez pas me mélanger pour dire que non, que grand-père ne mousse plus. Moi, je l'ai laissé. Je n'ai pas apprécié ça. Je n'ai pas apprécié. En plus, tu as couronné le tout pour venir dire que non, et donc c'est parti faire médicament. Sur grand-père pour avoir ses Range Rover et puis de l'argent. Du n'importe quoi. Quand tu me dis, ça m'a gagné fait médicament. Mon bas, ça c'est mon physique, c'est mon corps, c'est Dieu donné. Et puis je prie beaucoup. Chaque chose en s'entend. Tu ne connais même pas mon parcours. Vous ne connaissez même pas mon parcours. Vous ne savez même pas comment j'ai fait pour arriver là aujourd'hui. Et puis vous allez venir raconter des insanités. Je n'ai pas apprécié.
Donc, mes amours de la Guinée, je vous aime bien, mais dites à votre frère qui a fait la vidéo pour me dénigrer là. Il n'a qu'à se revoir. Je n'ai vraiment pas apprécié. Je n'ai vraiment pas apprécié. S'il est trop fâché, il n'a qu'à aller voir la famille de grand-père. Il ne faut pas avoir dit des bêtises comme ça sur moi. Attendez, je vais éclairer un peu dans mon visage. Je peux vous regarder maintenant. J'ai libéré mon cœur. J'ai pris buzz de grand-père. Moi, je buzz depuis combien d'années? Il y a plein de gens en Côte d'Ivoire ici qui ne connaissaient pas grand-père. Grâce à moi qu'ils l'ont connu. Je vais beaucoup au Burkina. Grâce à moi aussi. Parce que je suis beaucoup au Burkina, tout le temps, partout. Et ton mari grand-père, ton mari grand-père, ton mari grand-père. Donc, ne m'attribue pas des choses qui ne me ressemblent pas, mais qui ne font pas partie de ma vie. Moi-même, du simple fait qu'on ne voit plus grand-père sur les réseaux sociaux, ça ne me plaît pas. J'ai demandé à son manager, il a dit que tout allait s'arranger. Donc, quelqu'un qui va se lever comme ça pour venir dire que non, moi j'ai marabouté grand-père. Donc, comme il baisse plus, moi je l'ai laissé. Je n'ai pas vraiment apprécié. Vous savez, il y a des gens qui sont carrés. Il y a des gens, en écoutant ce genre de vidéos, peuvent croire en que ce sont des mensonges. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Comme on dit dans la vie, là, si tu ne peux pas élever quelqu'un, tu ne peux pas aider quelqu'un à grandir, il ne faut pas rabaisser la personne. Mathis, elle dit, aide, pardon. Il faut choquer un jour. Hé, chérie, j'ai compris, je vais choquer. Je vais choquer. N'écoute pas les gens, c'est des jaloux, ma belle. Avance seulement. Merci. Mais je n'ai vraiment pas apprécié sa vidéo. Bonsoir. Je n'ai vraiment pas apprécié sa vidéo. Je n'ai vraiment pas apprécié. C'est dans le but de me dénigrer. De faire en telle sorte que mes fans guinéens ne m'apprécient plus. Que du genre, quand grand-père buzzait, moi j'étais là. Maintenant qu'il ne buzz plus, genre moi je fuis. En temps, ça n'a rien à voir. Ce qui se passe avec grand-père, c'est un problème de famille. Il y a un problème de famille avec grand-père. Sa famille l'a récupéré. En temps, c'est quelqu'un qui l'a fait son manager. On peut dire ce qu'on veut de Alpha, mais il maîtrise même la com de grand-père. Il maîtrise. Donc, à chaque moment, ils vont prendre grand-père. À chaque moment, les gens vont demander pardon, ils vont le répondre. À chaque moment, ils viennent répondre. Il y a trop de problèmes. Donc, le manager lui-même, là, il a fait un poste pour dire qu'il n'est plus le manager de grand-père. Donc, ce que vous devez faire, c'est d'aller demander pardon à Alpha pour que tout reprenne. Vous allez venir mettre ça sur moi. Quelles sont ces manières? J'ai pas aimé. Donc, tu sors avec grand-père, dis-nous la vérité. Yao, Bourou, Massia, que je sorte avec grand-père ou pas, ça, là, c'est pas le problème. Mais le fait que quelqu'un va se lever, faire une vidéo pour dire que moi, je suis parti marabouter, mes amoutés, grand-père au Bénin, c'est grave. Comme il mousse, moi, je l'ai laissé. C'est trop grave, ça. Et moi, je ne fais pas de maraboutage. C'est Dieu qui m'a rendu célèbre en passant par papi, par Dieu. Passe toujours par quelqu'un pour te lever. Donc, le fait que quelqu'un se lève pour raconter des bêtises comme ça, où je ne me reconnais même pas dedans, ça ne me plaît pas. Moi, j'ai appris son existence par toi avant. Ça, beaucoup ne le connaissaient pas, c'est vrai. Et là, il y a Dana Bloom. Maintenant, oui, pas moi aussi, beaucoup de gens l'ont connu. Maintenant, le blogueur dit que c'est moi, j'ai profité de grand-père, quoi. Je t'aime trop depuis le Cameroun. Laisse les gens parler. Merci, mon bébé. Et dans ton accent, baoulé là, t'es su. Même français, on dirait baoulé. Amira San, le temps, il s'est passé, ici énervé. Ils sont en train d'essayer de me calmer. J'ai vraiment pas apprécié la vidéo. Je suis un peu énervé là. Mais vous voyez pas que je bègue là même. Je suis énervé. Akba, toute ta soeur depuis le Burkina Faso. Big up à toi. Je suis un peu énervée, je n'ai pas apprécié les propos de ces gars-là. Tu es magnifique, ma belle. Vaut mieux que tu avances. Mais tu es vraiment mignonne, toi. Merci. Donc, affaire de grand-père, ça n'a rien à voir avec moi.
c'est sa famille. Ils l'ont enlevé des mains de son manager. Pourtant, ils ne maîtrisent rien. Mais ils ont pris grand P. Je ne sais pas pourquoi ils ont pris grand P. Donc, allez voir la famille de grand P pour leur dire de redonner grand P à Alpha. C'est Alpha qui maîtrise grand P. C'est lui qui a soulevé grand P pour faire de lui ce qu'il est aujourd'hui. C'est lui qui a soulevé grand P pour aller chez des personnalités qui l'ont aidé. Et puis, il a effectué son voyage. C'est où en Égypte, là, non? C'est en Égypte qu'il y a eu la Coupe d'Afrique, là, non? Donc, Alpha connaît bien le management. Donc, allez demander pardon là-bas pour que tout rentre dans, tout rentre dans l'ordre. Ne mettez pas ça sur moi. Laisse-le parler. Non, j'étais trop énervée, quoi. J'étais trop énervée. Maintenant, ceux qui disent que ma range au vin noir, là, c'est 15e main, là. Même si c'est 100e main, ça me plaît. Même si c'est 20e main, ça me plaît. N'importe quoi. Je suis trop michée, mais mal à l'aise. Je vais vous laisser. C'était ce que j'avais à dire. Tu n'as pas encore compris. Hein? C'est plutôt lui qui cherche buzz. Qui, le gars qui a fait la vidéo, là. Mais qui cherche son buzz, ça c'est son affaire. Mais dire que je suis parti Zamou, je suis parti faire Zamou au Bénin. Et puis préciser, laissez mes fans du Bénin tranquille. Attends, j'ai éclairé mon visage là-bas. Il dit que je suis parti faire Zamou au Bénin. Au Bénin, là, je ne suis pas dans le faire des Zamou. Et puis je ne vois même pas ça là-bas. Mais quand tu vas, tu sors. En tout cas, le Bénin est tellement joli. Maintenant, si tu te lèves que tu as envie d'aller faire ton Zamou, tu connais la route, si tu connais la route, tu vas aller faire ton Zamou. Tu ne peux pas rentrer dans des bêtises comme ça, puis tu vas venir dire tout ça à cause de quoi, Range Rover. Moi, mon rêve, j'ai toujours voulu Range Rover. Je n'ai jamais eu de problème de voiture, j'ai toujours voulu Range Rover. J'ai eu, maintenant, je sais ce que je cherche, à construire mon immeuble ou bien mon château. Tu vas venir dire que quoi, j'ai passé grand pays, comme il m'a dit, je l'ai laissé. Ton badjo, car Babou, et tout ça. Non, faut banaliser tout ça. C'est Dieu qui t'a élevé. Aujourd'hui, tu as réussi. Et les jaloux veulent te descendre. Je te dis, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent de moi. Je m'en fous. Mais qu'un Guinéen se lève pour dire que moi, j'ai fait maintenant ce grand P, que moi, j'ai laissé grand P passer, mousse plus. Comment mes fans guinéens vont prendre ça? Disant, ouais, tout un doxé avec grand P. Maintenant qu'il ne mousse plus, elle a laissé. C'est comme ça ils vont prendre. Parce que beaucoup ont commencé à dire non, je vais me désabonner de sa page. Désabonnez-vous, je m'en gaba de ça. Je vais me désabonner de sa page. Parce qu'il y a des gens qui ont l'esprit vraiment très faible. Ils croient à tout ce qu'ils entendent. C'est pour ça que j'ai souhaité faire ce direct. Je suis désolée, moi je n'ai rien à voir avec cette histoire. C'est grand P. C'est pas que grand P même ne mousse pas. Son manager là. Il connaît le management. Mais celui qui a créé la page de Grand P, s'ils ont pris Grand P dans ses mains, il peut pas venir publier, puisque ce n'est plus lui qui gère Grand P. Donc attendons de voir ce qui va se passer. Ou bien s'ils sont trop fâchés, ils n'ont qu'à les demander aux parents de Grand P pourquoi ils ont pris Grand P en otage. Vous avez venu mettre ça sur moi. C'est ça, ça a chauffé un peu ma tête là. Il fallait que je fasse cette vidéo. Calme-toi, notre aide nationale. Oui, j'ai commencé à être calme. Sinon, je n'ai pas aimé. Aide, ça va, tu es vraiment une belle femme. Excuse-moi. J'ai juste une question. Je vois beaucoup la Range Rover noire. Je vois. Attends, je vais afficher ton commentaire. Je vois beaucoup la Range Rover noire là. Où est la blanche? Love sur toi. Khadija, la blanche est là. Bah, Range Rover blanche là, mais peut-être que je préfère la noire. Faut pas, ils vont gratter ma blanche. Il y a trop de jaloux. Depuis Range Rover, il respire pas. Depuis Range Rover, depuis mon anniversaire, je ne suis même pas encore reposé. Je vais aller faire des interviews. Tout le monde veut me voir. Mon téléphone ne fait que sonner. C'est quoi? Priez Dieu aussi va vous donner. Vous allez venir raconter des conneries que non, elle a Range Rover parce qu'elle s'en fait un médicament, n'importe quoi. J'ai vraiment pas apprécié. C'est
c'est pour ça que j'ai tenu à faire ce direct. Dans la vie, quoi que tu fasses, les gens te critiqueront, t'écrit. Laisse-les parler. Oui, moi, je les laisse parler. Je me moque éperdument, si on peut le dire, de ce que les gens racontent. Mais dire que je suis partie faire mes trompes pour avoir mes Range Rover, dire que j'ai fait médicament, on dit que j'ai passé grand P. Pour avoir moi mes Range Rover, j'ai passé grand P. Que comme ils m'ouspient, moi, ils les jetaient. Est-ce que ça se dit? Est-ce que ça se dit, ça? Ça ne se fait pas. On ne doit pas dire des choses comme ça. Grand père, c'est quelqu'un qui a besoin d'amour. C'est quelqu'un qui a beaucoup souffert dans sa vie. Je l'aime beaucoup. Et puis, ce n'est pas parce que la personne n'a parlé que ça va diminuer l'amour que j'ai grand père ou quoi que ce soit. Grand père a besoin d'amour. Flash à se couper. D'amour et d'affection. Il a beaucoup souffert dans sa vie. Nous tous, on a besoin d'amour. Je l'aime, je l'aimerai toujours. Nous avons de bons rapports. Donc, quand quelqu'un va se lever pour venir me dénigrer de la sorte, pour dire que j'ai laissé grand-père passer mon split et puis que j'ai fait un médicament sur lui. Vraiment, j'ai vu la vidéo tout à l'heure. Je n'ai pas aimé. J'ai tenu à faire cette vidéo d'abord, avant d'aller me...